bah merci de ta venue. On a interrogé des fans tout à l'heure et bah la plupart ils sont bah là pour toi. Hein, là, voilà. Et donc ils sont tous très contents que bah, que tu sois venue à Lisieux ce soir pour eux. Eh bien, voilà. Moi la première, je suis ravie d'être là parce qu'ils font partie de mon public et il faut aller un peu à la rencontre de son public un peu partout, qu'il soit en France ou ailleurs. Et moi ça me fait plaisir d'être là et puis juste en faisant les petits deux, trois petits réglages, voilà, ils sont très très accueillants, interactifs, voilà, quand je leur parlais ça criait, etc. Donc j'ai vraiment hâte d'être sur scène et de faire les morceaux et voilà, de foutre le feu ici à Lisieux. Ouais, ça va être chaud ce soir, il va y avoir du monde là, oui je pense. Oui. Bah, c'est le but. Oui, c'est le but. Et donc je voulais savoir, c'est la première fois que tu viens sur Lisieux ? Sur Lisieux, oui, mais sur la Normandie, non, je suis déjà venue. Après, ça serait un gros mot que de dire je connais, parce qu'en général on vient, on survole un peu les villes, mais on prendra le temps de connaître un peu plus à chaque venue. Alors que penses-tu déjà du premier accueil, de l'ambiance et tes impressions sur cette ville et les habitants ? Bah déjà habitant très accueillant, très accessible, c'est bon enfant, j'aime bien, il y a de tout, il y a des familles qui viennent avec leurs enfants, devant l'hôtel aussi il y avait des gens qui nous attendaient, et puis bon ça discute, ça partage sa vie, c'est très agréable, voilà, c'est des gens comme nous, voilà, c'est... Ah oui, alors pour ton dernier album, Contagieuse, je voulais, est-ce que tu peux nous expliquer en fait quel est le thème principal et puis, oui, et puis ce que tu voulais, en fait, le message que tu voulais transmettre à travers cet album. C'est bien le cas de le dire, c'est transmettre justement. Contagieuse parce que la vie est contagieuse et en tant qu'artiste, on est affecté par des choses de la vie de tous les jours et même d'ailleurs en tant qu'être humain déjà. Et donc ce qui nous bouscule et nous change et nous crée des émotions à l'intérieur va créer des thèmes et des chansons. Donc c'est des chansons, pour moi, c'est des petites capsules d'émotions qu'on met sous forme de texte et de musique et qu'on transmet à notre tour aux gens qui, eux, les propagent et font le succès ou l'échec d'un artiste ou d'un album. Et justement, je conçois un peu comme ça la vie. La contagion, pour moi, elle est positive. Et c'est ce qui se transmet le plus facilement et rapidement, c'est la musique. Donc c'est dans ce sens-là que le cycle de la contagion, voilà, je ne serais pas contagieuse si je n'avais pas été touchée par d'autres gens, et d'autres gens ne seraient pas contagieux s'ils n'avaient pas été eux-mêmes bousculés ou touchés négativement ou positivement d'ailleurs par ce qui les entoure. D'accord. Et justement, comme on savait que tu allais venir ce soir, nous on a posé en fait à nos internautes sur Facebook s'ils avaient des questions à te poser. Donc on a dû sélectionner parce qu'il y en a eu beaucoup quand même pour toi. Donc on voulait pas t'accaparer rien que pour nous. Donc on a sélectionné. Et donc alors la première par exemple, elle vient de Ingrid qui a 25 ans. Elle est de Lisieux et elle te pose comme question. Alors quel artiste t'a le plus inspiré ? Il y en a beaucoup. Après, au niveau de l'écriture, l'amour des mots, l'amour de la langue française, je pense que ça sera toujours et éternellement Monsieur Francis Cabrel, que j'écoutais énormément, du Jacques Brel, Aznavour, même Édith Piaf. Hein, ils ont une manière de manier la langue française qui est magnifiquement fluide. Après, c'est vrai, au niveau style, c'est plutôt anglo-saxon, donc j'ai écouté de tout. J'ai écouté du Lauryn Hill, j'ai écouté beaucoup de Sting, j'ai écouté beaucoup de Music World, j'ai écouté au niveau hip-hop, c'était Missy Elliott, voilà, il y a un peu de tout, vraiment. Mais en fait, d'après, dans la même lignée, on retrouve aussi la question de Joy, qui a 20 ans, de Lisieux également. Bon, là, c'est un petit peu plus précis. Elle te demande, quand tu étais petite, qui étaient tes idoles ? Donc, pas seulement dans le domaine de la musique, mais aussi dans tout le côté artistique, que ce soit musique, cinéma ou peinture. Quand on est petit, c'est Strass et Paillettes qui font briller nos yeux. Donc, je vais dire par défaut Madonna, Michael Jackson. C'est les big boss de l'entertainment, ce qu'on appelle le divertissement. C'est du grand divertissement. Comment c'est le faire, pas nous, mais comme l'être humain a su le faire, et c'est pas pour rien que c'est les rois de la pop. D'accord. Et ensuite, donc, on a Gwendoline qui a 14 ans, de Lisieux également. Donc déjà, bon, elle te remercie beaucoup pour ce que tu fais, hein, c'est une très grande fan, elle adore tes chansons. Je pense qu'elle avait
pas mal de questions à poser, mais on a dû aussi sélectionner malheureusement. Et donc celle qu'on a retenue en fait, c'est alors est-ce que la chanson C'est chelou a-t-elle été écrite pour une personne en particulier ? Oh, faut pas écrire pour une personne, mais sûrement que j'ai dû. Enfin, moi j'écris les choses parce que j'ai besoin de les écrire, mais je n'écris. Si j'ai un message à donner à quelqu'un, je lui parle directement. J'ai pas besoin de faire de métaphores. Au contraire, je suis très directe comme personnage. Enfin voilà, j'aime pas les sous-entendus. Par contre, elle a été inspirée de choses réelles. Après. Faut mettre en scène. Effectivement, ça s'est pas passé exactement comme ça. La fille était pas en pyjama dans mon lit, etc. Mais voilà, ça c'est le côté mise en scène et un peu farfelu pour rentrer dans un univers qui était l'univers de Dima à l'époque. Et pour finir, je vais juste te demander, est-ce que tu peux passer un petit message pour tes Vélisieux, aux Lexoviens qui vont te regarder ? Eh bien, salut à tous, c'est Zao, venez nombreux ce soir parce que ça va être la fête sur scène à Lisieux ici. Et les nuages, je pense, j'ai eu une petite discussion là, et les nuages vont se dissiper au moment précis où je chanterai « Tout est pareil » parce qu'on va ramener le soleil ici, voilà. Merci Zao, bon concert et puis à plus tard. Ciao, ciao. Vous êtes là ? Ouais ! C'est bon ! Tu sens là ? Ciao Lisieux ! Plus fort que ça ! Celui-là. Lisieux, quel public, quel accueil, quel accueil, quel accueil. Alors Zao, dis-moi, comment tu trouves notre public lexovien ce soir ? Eh bien, c'est un exemple de public magnifique, magnifique accueil, très réactif, très réceptif, très touchant aussi parce que ils m'ont fait 2-3 petites surprises auxquelles je ne m'attendais pas. Je te l'avais dit tout à l'heure que tu étais très attendu. Entre le dire et le vivre, il y a tout un monde et effectivement, je peux dire aujourd'hui que tu n'es pas une mytho et que tu avais raison. Voilà. Bon bah merci bien Zao. Bah, ils sont vraiment très contents et nous aussi d'ailleurs. Et puis bonne soirée. J'espère qu'on se reverra aussi très vite. Je l'espère très vite aussi. Yeah.